là, on va sortir la plateforme de l'eau. On a dématé en début de semaine. Donc là, aujourd'hui, on sort le trimaran. Et là, actuellement, on décharge donc, tout le matériel, les voiles, la baume. Des mises à l'eau et des mises à terre, c'est toujours particulier. C'est des moments où, même pour Thomas, je pense, c'est jamais sans souci. Il faut faire attention, il faut être sérieux. Puis là, il y a une super scène là, où on voit les voiles là, qui se déchargent. Là, c'est assez marrant. Tous les paquets de voiles. Là. Ça en fait du matériel. En fait, je suis toujours aussi émerveillé par toutes les formes des bateaux, que ce soit le 60 pieds comme celui-là. J'avoue que je trouve que c'est avant tout des objets très esthétiques. Et quand ils sortent de l'eau, même quand ils sont en dehors de leur milieu, ils sont quand même effectivement très beaux. Et je crois que celui-là, il est particulièrement réussi. Il y a des angles qui me plaisent. Quoi. Je trouve ça bien d'être encore capable de se faire plaisir à le regarder comme une œuvre d'art. Je pense que Nigel Arens, l'architecte, avait fait du très très bon boulot. I sunk my suitcase alone, filled up the Amazon with snakes and vines and ropes for my clothes. Na 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 na. C'était une journée où la coordination de la fin de l'agrandissement du hangar. Que le hangar jusqu'à présent était trop petit pour recevoir le trimaran. Il était juste assez grand pour le 60 pieds, mais pas assez grand pour celui-là. Et puis le début d'une nouvelle ère pour nous, c'est-à-dire l'optimisation pour la route du Rhum. Donc aujourd'hui, on termine l'agrandissement du chantier, on rentre le bateau dedans et on commence ses travaux dans la foulée pour préparer déjà la route du Rhum dans un an pile. On va faire changer le bateau et le faire passer dans une étape où il va plus être optimisé pour une compétition, alors que pour l'instant il s'est battu contre le temps. Or aujourd'hui on va se battre contre des adversaires. C'est la raison pour laquelle on va mettre des foils, c'est la raison pour laquelle on change de plan de voilure, c'est la raison pour laquelle on fait beaucoup de modifications sur le bateau. En 5 mois, il ne va pas falloir chômer, il y a beaucoup de travail sur la planche.